Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Lunchmat, Janine Rude, Bat Fortune, Mazal Fritna, Léa Chaya, Bat Mazal Tov, Lucien, Bat Reina, et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous situons Masechet Gitin, Père Exaïn, Mishnah Gimel, Zegiter im Mati, Mecholize, Zegiter le Achar Mita, Lo Amar Kelum. Mehayom im Mati, Mais Achav imamati, areze giter, areze get. Mais ayom ou le achar mita, get ve eno get. Ve imemet, choletzet ve lo mitia bemet. Ze giter, me hayom imamati me cholize. Ve amad ve alach bashuk ve chalav amet. Omdim oto, imamachmat choli arishon met, areze get. Ve imlav eno get. On va rentrer dans notre Mishnah maintenant, pour le prochain Mishnayot, sur le sujet du guet avec des tnaïm, des guet avec des conditions. Vous savez que dans la Torah, on a la possibilité de, dans plein de domaines, de faire des actions avec un tnaï. Et que si il s'avère que le tnaï se réalise, l'action est maintenue, sinon l'action s'annule. On peut faire toutes sortes de tnaïm. On peut bien sûr marier une femme avec une condition, mais ça veut dire que je lui donne des kiddushin, je me marie avec elle, je fais la choupa, je précise une condition, qu'elle va me donner 200 shekels, et si toutefois, jusqu'à telle date, et si elle ne me donne pas telle date, et bien ça veut dire que tout s'annule, il n'y a pas eu de mariage, rien du tout, on était deux personnes libres qui ont eu un rapport entre eux sans mariage. On peut faire des conditions sans aucun problème, d'accord? Ça, c'est un principe général des tnaïm. Pour le moment, dans notre première partie, dans les deux prochaines Mishnayot, on va s'intéresser à celui qui va vouloir divorcer sa femme avec, comme condition, qu'il va mourir. Mais plus précisément, j'explique, c'est toutes sortes, c'est en rapport avec le prakim précédent. Quelqu'un qui partait, imagine à l'époque, avec les communications compliquées de l'époque, quelqu'un qui partait à l'étranger pour faire fortune pendant un an, ça pouvait prendre 3 ans, 5 ans, 8 ans, jusqu'à qu'il revienne finalement. Des fois, il ne revenait pas du tout parce qu'en réalité, et à quelques kilomètres du littoral, son bateau avait déjà coulé, tout est possible. Donc c'était fréquent, dans des situations pareilles, de donner un guet. D'autant plus que, il y a à part ça toutes sortes aussi de situations où un homme n'a pas eu d'enfant avec une femme, et que s'il meurt, elle va devoir attendre que son frère fasse le hiboum, et son frère habite à 12 000 kilomètres d'ici, il y a peu de chances qu'il ait envie de la libérer. Donc en fait, on va se soucier maintenant dans notre Mishnah, et puis après dans les prochaines, de parler de conditions, et spécialement dans les deux prochaines Mishnayot, des conditions de qu'est-ce qui se passe s'il meurt. Il veut donner un guet, mais sans donner un vrai guet à sa femme, parce que si toutefois, il est en ce moment entré dans une opération très compliquée à l'hôpital. Il ne sait pas s'il va se relever ou pas, il a pas envie que sa femme reste bloquée, qu'elle attende la khalitsa de son frère, qui habite à 8000 km. Donc du coup, il voudrait bien lui donner un guet, mais que si jamais il se relève de l'opération, qui retrouve sa femme. Et il a pas envie de divorcer, de la reprendre. Imaginez que ça peut être un Cohen aussi, qui ne peut pas reprendre sa femme divorcée, et toutes sortes de... Vous avez compris le principe, d'accord? Pourquoi on va arriver dans des situations, en fait, où un homme veut divorcer sa femme à condition qu'il va mourir. C'est-à-dire, si je meurs sur ce coup-là, c'est mon guet. Si je meurs pas, c'est pas mon guet. Et il va falloir faire très attention à la manière de prononcer le tnaï pour que le guet entre en vigueur. Parce qu'une chose de sûre, j'ai la possibilité de donner un guet aujourd'hui à ma femme, qu'elle va maintenir et qu'elle va garder chez elle, et que je lui dis, ce sera un guet dans 30 jours. Donc je lui ai donné le guet, elle le met dans un tiroir chez elle, elle attend, arrive le 30e jour, et puis, tac, elle est divorcée maintenant, parce que le guet que je lui ai donné, il est actionné à la fin. On n'a pas de problème de faire ça, ça existe. Mais il y a une chose qui est interdite à faire, qui ne fonctionne pas, c'est si je lui donne un guet, que une fois que je suis mort, ce sera son guet. Une fois que je meurs, ce sera son guet. Si je meurs, c'est ton guet. Là, ça veut dire quoi? Donc une fois que tu vas mourir, une fois qu'il va mourir, alors, après commence le guet qui va entrer en vigueur. Mais une fois qu'il meurt, sa femme n'est plus sa femme. Si je donne un guet à une étrangère, elle n'est plus divorcée, c'est plus ma femme. Elle reste ma femme qui est décédée, que quand je suis décédé. D'accord? Vous avez compris l'idée? Je ne peux pas donner un guet qui va fonctionner après la mort. Donc en fait, je reprends maintenant la situation qu'on a, on va voir trois cas de figure, et c'est les trois parties de la Mishnah. Avec, après, il y aura une petite complication pour la prochaine Mishnah,
Mais pour le moment, le principe, il est très simple. Je donne un get aujourd'hui parce que j'ai peur de mourir après, de ne pas ressortir du bloc opératoire. Donc du coup, je vais lui donner un get. Si je lui donne un get qui va marcher après, je précise, je lui donne un get qui va dire, ce sera un get si je meurs, lorsque je mourrai. Ce sera un get lorsque je mourrai. Donc c'est plus un get parce que j'ai donné un get qui va fonctionner pour après coup. Il faut que je donne un get, a priori, depuis tout de suite, à condition que je meure. C'est ton get tout de suite, si toutefois je vais mourir. Donc le get, il fonctionne tout de suite avec condition. Comme je peux marier une femme comme ça, comme je peux faire toutes sortes de mitzvot comme ça, avec des conditions, que l'action, elle est maintenue tout de suite, et l'avenir nous le dira, est-ce qu'elle a maintenue ou pas maintenue. Mais en tout cas, l'action, elle était actionnée depuis tout de suite. Je ne peux pas actionner, on va dire, c'est le mot get. Je ne peux pas actionner le get après ma mort, je vais actionner le get depuis tout de suite, à condition que je meure. Et après, on va avoir un lachon, une langue intermédiaire, que c'est tout de suite après que je meure. Alors là, il a dit deux choses qui se contredisent. On va se retrouver maintenant en quiproquo et on va devoir, dans le doute, on va pas savoir ce que c'est une condition ou c'est qu'il a en fait reporté le guet. On verra ensuite dans le cas de la Mishnah. Donc on a maintenant proposé trois cas de figure et c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Ze giter immati. Ze giter immati mecholize. Ze giter le achar mita lo amar klum. On a trois cas de figure, je traduis. C'est ton guet si je meurs. C'est ton guet si je meurs de cette maladie. C'est ton guet après que je meurs. Il n'a rien dit, c'est pas un bon guet. La généralité, c'est le dernier cas. En fait, dans tous ces cas de figure, elle a dit, en fait, ça revient à dire, comme si elle avait dit, Zegiter la Harmita, ce sera ton guet après que je meurs. Pourquoi? Parce que si je dis, c'est ton guet si je meurs, c'est ton guet quand? Quand tout de suite ou après que tu meurs? Parce que tu as dit une langue floue, et dans la mesure où tu as dit Zaget, mais Archav, depuis tout de suite, donc tu as dit, ce sera ton guet lorsque je mourrai. Et voilà, même si tu as dit le mot si, ça ne fonctionne pas comme un si, ça fonctionne comme un lorsque. Ouais, complément d'objet. Non, comment ça s'appelle déjà les... J'ai oublié. D'accord il a des compléments de temps, quoi. En tout cas, il a précisé, ce sera un guet lorsque je mourrai, en disant, si je meurs, ce sera ton guet. Mais c'est pas tout de suite. Parce qu'il t'a pas dit le mot tout de suite. À la différence de dire, mais hayom immati, depuis tout de suite si je meurs. Mais archav immati, depuis aujourd'hui, depuis tout de suite. Dans ce cas-là, arrêtez guet. Parce que dans ce cas-là, t'as actionné le guet tout de suite en posant comme condition que l'avenir nous le dira, est-ce que finalement il va mourir de cette maladie ou pas. Ok? Nouveau cas de figure, c'est qu'en fait, il a dit, c'est ton guet depuis tout de suite lorsque je mourrai. Waouh! Alors là, Coco, tu nous as éclaté. Ce sera ton guet tout de suite lorsque je mourrai. Tout de suite ou lorsque tu meurs? Décide, tu actionnes quand? C'est quoi cette langue floue? Tout de suite lorsque je mourrai. Une condition? Tout de suite, mais pas tout de suite, mais plutôt quand je meurs? On n'arrive pas à comprendre. Alors dans ce cas-là, guet, ben, no guet, c'est un guet qui n'est pas un guet. Il est oui et non. La femme, elle sera safek. Elle sera en safek, mais gourechet. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un va avoir un rapport avec elle, elle sera safek et chatish. On va toute la chavila d'une femme qui est. Toutes les halakhot qui vont déterminer quel est le statut d'une femme qui a un doute, est-ce qu'elle est divorcée ou pas divorcée. C'est ça, c'est elle, d'accord? Et dans ce cas-là, veimet, et si elle meurt, s'il meurt finalement, eh bien, choletzet velo mikam veimet, elle devra faire le chalsal, mais elle ne pourra pas faire le hiboum, parce que si elle a été mariée encore à son mari, son frère va pouvoir faire le hiboum. Mais si elle n'était pas mariée, si elle était divorcée, son frère ne peut pas prendre le divorce de sa femme pour faire le hiboum. Ok? Dernier cas de figure maintenant. Zegiter mehayom. Immati mecholize. En fait, on revient sur le cas précédent avec une nouvelle précision. C'est qu'il n'a pas dit, je te donne ce guet si je vais mourir dans la prochaine année, par exemple. Mais il a dit non. C'est ton guet depuis tout de suite si toutefois je vais mourir de cette maladie. Ça veut dire qu'en fait, il va entrer au bloc opératoire, il a peur qu'il ne va pas s'en sortir. Oubliez le bloc opératoire, ça va compliquer l'histoire. Quelque chose de plus simple. Il est mourant, agonisant, une pneumonie très violente. Les médecins sont en grand doute, est-ce qu'il va tenir le coup. Il donne un guet à sa femme et lui dit Arzegiter me hayom, depuis tout de suite, immati mecholize. Si toutefois je ne me relève pas de cette pneumonie. Ouais, et donc il était à plat, ça a duré pendant 4, 5, 6, 8 jours, on est encore dans le doute, la femme elle est là,
Elle s'occupe de lui, bien sûr, bien évidemment. Ils ne sont pas franchement divorcés, mais peut-être qu'ils sont divorcés. On apprend ensuite comment se conduire pendant le jour intermédiaire, ça on verra ensuite. Mais, donc, et finalement, d'un coup, tout lui remonte. Il se sent bien aujourd'hui, de bonne humeur ce matin. Il se lève, il va faire les courses au marché. Parfait. Il entre à la maison, puis il meurt. On ne sait pas, est-ce que c'est une crise cardiaque, c'est tout récent, parce qu'en fait c'est la pneumonie qui en fait elle lui a donné un dernier petit coup d'énergie pour partir dire au revoir à tout le monde. On ne sait pas ce qu'il y a eu. D'accord? Alors sur ça, on va faire comme ça. Donc, je reprends d'abord le cas. Zegiter me'ayom immatim cholizé, c'est ton gain depuis aujourd'hui, si toutefois je vais mourir de cette maladie. Ve'amad, et après il s'est levé. Ve'alach bashuk, il est parti au marché. Il a passé un jour où tout allait très bien. Vechala, et après, on rentre à la maison, il sent une grande faiblesse. Il se couche, les mettre, et il meurt. Omdin Otan, on va amener des experts. Je ne sais pas comment faire l'autopsie, je ne sais pas. Mais en tout cas, im machamayon, en tout cas, on va amener des experts pour voir que. On va étudier les tests minimes, les diagnostics. Est-ce qu'en fait, il avait guéri ou pas? C'est notre question, c'est est-ce qu'il a guéri? Il est toujours même malade? Ou est-ce que c'est la même maladie, en fait? Qui était là, que juste elle a changé de forme, après elle est revenue. Donc, im mahmat choli arishon met. Si il s'avère qu'en fait il est mort à cause de la première maladie, eh bien, arise get, ce sera un bon get, et la femme sera divorcée rétroactivement, mais im lav et no get. Et si finalement on va évaluer que non, quand il s'est relevé, c'était la preuve qu'en fait il avait remonté la pente, la pneumonie, elle était en train de se finir, c'est pas la pneumonie qui l'a tué, c'est autre chose, dans ce cas-là, et no get. Ce ne sera pas un bon get, et la femme sera donc veuve. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, selah.